Shalom bien-aimé dans le Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Nous sommes réunis en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je t'invite à méditer avec moi l'évangile de ce jour où Jésus s'adressait à Nicodème en ces termes. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Seigneur, en ce matin, je viens pour t'adorer. Je fléchis les genoux de mon cœur pour te dire, Seigneur, ô combien je t'aime. Les mots sont faibles, Seigneur, pour t'exprimer toute ma gratitude, car tu as mis en moi une parcelle de l'amour que tu ressens pour nous. Alors pour te dire merci pour cet amour, Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Prends la place qui t'est due. Occupe toute la place, qu'il n'y en ait plus pour la haine, pour le mensonge, pour la trahison, pour la méchanceté, pour la colère, pour tous ces mots qui gangrènent nos vies au quotidien. Seigneur, prends la place qui t'est due.
une place de roi, un roi sur son trône. Ce trône si élevé que l'œil ne peut voir. Seigneur, prends toute la place. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'adore et je te glorifie. Que mes faits et gestes, que mes pensées, mes paroles témoignent toujours de cet amour que tu as pour le monde. Le roi des rois est souverain. Peuple béni, peuple choisi, que la paix et la joie du Seigneur demeurent dans ta vie. Je te souhaite de passer une belle journée en présence du Christ Jésus, lui l'agneau pascal, celui qui a été fidèle jusqu'à la mort sur la croix. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.